Regarde dans quel pétrin tu nous as mis. Silence là-dedans! Voici donc ce qu'est devenue la France. Des parasites qui saignent la révolution à blanc!
perdu. Je viens aider. La porte ? L'un des gardes a la clé. Je ne sais pas lequel. Peu importe. N'avancez plus ! J'ai dit halte, vermine ! Ne nous relâche pas ! C'est ce qu'on appelle sauver quelqu'un. Pourquoi ? Parce que le simple fait d'être une montagne de muscles sans avenir et sans cervelle ne me semble pas être un crime passible de la peine de mort. Hein ? Écoute, reste en arrière et laisse-moi passer le premier. Suivant ! En route ! Je ne t'ai pas déjà vu, toi ? J'en doute. Parce que, monsieur Latouche, votre dernier compte-rendu contenait de nombreuses bévues. Monsieur, j'ai vérifié par 3 fois ces sommes. Il ne s'agit pas d'une erreur. 10 000 livres se sont évanouies du trésor de Sa Majesté. Je regrette, Latouche. Adieu. Monsieur Latouche, on raconte que vous étiez percepteur. Oui, monsieur. Bien. J'aurais grand besoin de vos talents. C'est du parasitisme pur et simple. Ça veut dire quoi ? On dit ça des fils de chiens qui se remplissent les poches au lieu de faire leur travail. Si tu savais tout ce qu'entendent les rats du chef. Dites-moi davantage au sujet de ce chef. Très bien. Puisse le père de la sagesse vous guider. Qu'attendez-vous de moi, grand maître ?
Je mets tes services à la disposition de notre agent à la Convention. Le Pelletier ? Non, le Pelletier présente son utilité, mais il n'est pas notre seul ami au gouvernement. Mon bon Latouche, je te présente Monsieur Maximilien de Robespierre. Monsieur, j'ai cru comprendre que Versailles grouillait de parasites. Vraiment. C'est mon côté romantique.